Aujourd'hui, zoom sur un nouvel échantillon biologique. Dans ce flacon se trouve un liquide jaune-orangé qui provient d'une articulation. C'est ce qu'on appelle du liquide synovial. C'est un fluide que l'on a dans chacune de nos articulations. C'est une sorte de lubrifiant naturel qui sert à faciliter les mouvements. Et vous allez voir que cet échantillon a quelque chose de très particulier. Allons voir ça au microscope. À première vue, rien de spécial. Mais lorsque l'on fait varier le filtre polarisant du microscope, est-ce que vous voyez ce qui apparaît? Des centaines de milliers de fines aiguilles brillantes. C'est ce que l'on appelle des cristaux d'urate. On peut les observer dans du liquide articulaire lorsque le taux d'acide urique dans le sang est trop élevé. L'acide urique va précipiter et former des cristaux d'urate qui vont se déposer sur les articulations. Et c'est ce qui va provoquer une crise de goutte. L'articulation va gonfler, chauffer et être très douloureuse. La plupart du temps, ça survient au niveau du gros orteil. Si ça vous intéresse et que vous voulez une partie 2, dites-le moi en commentaire. Allez, je te dis à bientôt.